Bonjour Aboulaye Koné, ce mercredi 7 février, la Côte d'Ivoire rencontre la République démocratique du Congo. Ce sera sous le coup de 20h au stade Ebempe, vous l'avez déjà dit. Et les supporters entendent jouer leur partition de 12e homme, comme on l'a vu au stade de Boaké la semaine dernière. Une mobilisation folle qui a porté les éléphants à la victoire. Pour le public d'Abidjan, donc, le message est lancé et les initiatives se bousculent pour mobiliser un peu tout ça afin que vraiment les éléphants soient portés par les supporters. Je suis avec Ange, bonjour. Bonjour. Alors Ange, vous avez été frustré par l'absence de mobilisation de véritables supporters sur les terrains d'Abidjan et vous avez lancé une initiative. Effectivement, moi je me suis dit, à l'instar des clubs européens ou bien des équipes, les supporters ont des chansons qu'ils connaissent. Chaque fois que l'équipe a un match, on met la chanson et tout le monde connaît. Donc ça fait qu'à un moment donné, quand une personne entend, le stade chante en chœur et puis c'est intéressant, ça motive les joueurs. Donc je me suis dit, pour aller dans le sens des grands frères Yodé Siro, il fallait trouver un truc facile à capter, facile à chanter et puis qui allait permettre à tous les supporters de pouvoir chanter chaque fois qu'une personne entend au stade, ça allait faire un boom et puis voilà l'explosion comme à Boaké, on allait avoir une ambiance folle à Ebempe, surtout que c'est plus grand, donc ça allait encore être plus retentissant. Donc j'ai eu cette idée là avec des chansons qu'on utilisait quand on était dans les tournois de Ouassu, au quartier, les petits tournois de Maracana, des chansons faciles, pratiques, et puis j'ai essayé, donc j'ai remarqué que ça a plu aux gens. Donc il fallait faire un truc où on allait apprendre à chanter ensemble et puis pourquoi pas dès 20h donner le top départ quoi. Pour que... Mais on va voir la pratique immédiatement, voilà l'ordinateur juste là, on va fredonner quelques chants. Alors c'est bien 4 chants d'animation pour soutenir les éléphants. Exactement. La première chanson, éléphant fait son malin, toi tu es jaloux. Allez-y vous fredonnez. Donc ça fait, éléphant fait son malin, toi tu es jaloux. Ivoirien fait son malin, toi tu es jaloux. Pendant qu'il courait, toi tu dormais. Pendant qu'il sautait, toi tu dormais. Pendant qu'il pompait, toi tu dormais. Pendant qu'il sautait, toi tu dormais. Pourquoi tu es jaloux de lui, oh jalousie. Jaloux de lui, oh jalousie, jalousie, jalousie. Et puis pour le deuxième chant, ça c'est un chant de motivation aussi. Voilà où on dit, on est venu pour gagner. Celui qui sait jouer ballon, nous on s'en fout de lui. Et puis le troisième chant, ça c'est un chant, t'as dit, on est malmené, par exemple quand le Mali c'était un peu chaud, mm-hmm. on est malmené ou bien on a gagné, on peut utiliser ce chant-là. Mm-hmm. Éléphant, éléphant va gagner, oh, gagner, oh, éléphant, éléphant va gagner, oh, gagner, oh, éléphant, oh. Il ne faut pas aller au stade pour faire seulement que les stats, il faut encourager, parce que les équipes ont besoin de ça. Et retrouvez cette fiche de chant sur le site de la RTI, tout le monde derrière les éléphants.